Je m'appelle Amélie de la Serras, je suis historienne, spécialiste des royaumes ibériques chrétiens au XIe-XIIIe siècle. Dans ce cadre, j'étudie comment les clercs et les laïcs articulaient les écritures saintes, la Bible, et les écritures ordinaires, c'est-à-dire les documents de la vie pratique comme des actes de vente ou des testaments. Dans les autres religions du livre, on sait que le Coran et la Torah étaient considérés comme des sources objectives du droit. Mais dans l'Occident chrétien, on distingue mal à quel point les pratiques sociales s'enracinaient dans la Bible, et cela à un moment de profonde transformation de la société. Concrètement, pour étudier l'influence des Écritures saintes sur la gestion des biens et des personnes, je recense et j'analyse les citations bibliques dans plus de 70 000 chartes. Alors pour cela, j'utilise les nouvelles possibilités informatiques fournies par l'analyse computationnelle. Et il ressort de mes premiers échantillons une chronologie très claire, celle d'une présence biblique assez importante au XIe-XIIe siècle, puis de sa quasi-disparition au XIIIe siècle. Réciproquement, j'évalue aussi la présence du profane dans le sacré en recensant les inscriptions de l'ordinaire dans les manuscrits bibliques et liturgiques. Je vais à Porto, à Tarragone, à Tolède, à Ségovie, et dans ces manuscrits, j'étudie de près les encres, les écritures, la disposition même de ces ajouts de la vie pratique. Et je cherche ainsi à comprendre leurs objectifs. Par exemple, dans un recueil d'homélies de la cathédrale de Calahorra, les clercs ont copié plus de 85 sortes de duplicata de leurs chartes parce qu'il semble qu'à leurs yeux, la proximité matérielle de ces écrits avec le sacré permettait de davantage valider ces ventes, ces donations, ces testaments. Mais dans d'autres manuscrits, il semble que l'objectif consistait simplement à économiser du parchemin, qui était une matière précieuse. Avec l'ensemble de ces enquêtes, j'espère finalement tester une hypothèse, celle de l'existence d'une matrice biblique dans la culture médiévale de l'écrit, à un moment clé de l'émergence de la modernité en Occident.